Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui avec Pinnacle comment créer des titres. À tout de suite. Donc nous voici dans notre logiciel Pinnacle. Donc j'ai deux vidéos, hein, sur mon banc de montage. Donc maintenant, je vais prendre l'outil texte, afficher ici les titres. Donc je clique une fois dessus. Puis je vais choisir l'effet qui me paraît intéressant. Par exemple, je vais prendre celui-ci. Faire un clic droit dessus. Hein, donc mon arrière-plan est noir. Moi, je veux pas d'arrière-plan noir. Je vais décocher. Et je vais le faire glisser. Voilà. Il est glissé. Donc maintenant, pour l'éditer, hein, je vais faire un double clic dessus. Et je vais pouvoir modifier. Donc déjà la première chose, ça va être d'éditer votre texte. Donc, dans le bandeau ici, vous allez cliquer et on va effacer le texte et on va mettre le nouveau texte. Par exemple, on va mettre Morbihan. Voilà, j'ai mon texte. Maintenant, je peux ici sur votre droite choisir l'effet que l'on souhaite avoir. Donc je peux prendre ici l'effet que je veux. Alors j'ai oublié de sélectionner, hein, vous voyez. Donc je prends l'effet que je veux. Et là, le morbihan apparaît comme je veux. Si je veux prendre un autre effet, hein, rien ne m'interdit. Je prends celui-ci. Hop, et je prends l'effet. D'accord? Alors je vais revenir sur mon effet principal. Voilà. Hein, donc je prends celui-ci. Maintenant, je vais pouvoir choisir la taille de mes caractères. Donc, je peux agrandir. Et je peux changer de type d'écriture. Je veux, par exemple, un comme ça. L'écriture me paraît un peu grande. Donc, à ce moment-là, je vais... Voilà. Si je veux le remonter, mon texte, je vais pouvoir prendre les poignées, ici, et le faire remonter. Si je veux le faire pivoter légèrement, je peux faire pivoter. Et je prends, je refais pivoter. Voilà. Maintenant, l'effet, hein, si on peut avoir un effet déroulant ou un effet ici de défilement. Moi, ce qui m'intéresse, ça serait par exemple un effet déroulant. Donc je vais cliquer dessus. Je vais agrandir un petit peu pour avoir l'effet déroulant. Voilà. Maintenant, je vais indiquer à mon ordinateur combien de secondes je veux que l'effet se... Alors, on va mettre 6 secondes par exemple. Voilà. Voilà, l'effet me paraît intéressant. Et je vais dire OK. Donc là, il va se dérouler. Alors maintenant... S'il n'est pas au bon endroit, mon effet, je vais pouvoir le prendre et le faire glisser. D'accord? Donc maintenant, pour voir ce que ça donne, je vais appuyer sur la touche lecture et je vais voir, hein, mon effet morbihan apparaître. Voilà. D'accord? Alors si ça vous paraît pas assez long, hein, ce qui peut paraître, je peux rallonger un petit peu et là, alors je suis pas revenu à mon point de départ, donc là je reprends et hein, on va avoir Morbihan qui va apparaître tranquillement et disparaître tranquillement. Donc là nous avons créé une superposition. Donc maintenant je vais créer un titre qui va s'inclure dans le film. Par exemple, je vais prendre un autre effet et je viens le faire glisser dans mon film. Donc là, pareil que tout à l'heure, un double clic dessus et je vais éditer mon texte. Alors,
ici, donc là je peux agrandir, hop, hop, hop. J'ai encore oublié de sélectionner, là, voilà, ça grandit, je peux déplacer, et je valide par OK. Donc ce qui veut dire, quand je vais lire mon film, donc je lis mon film et là je vais avoir l'écran noir et mon film va repartir, d'accord. Alors si l'effet pareil que tout à l'heure, si l'effet est trop long, là ça me paraît un peu trop long, je coupe et là je vais pouvoir lire mon film. J'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et espère vous retrouver très bientôt. Au revoir.